Salut les filles et les garçons. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, Dior a complètement reformulé tous ses vernis. Alors, pour les éditions limitées, je ne sais pas, mais je peux poser la question si vous voulez. Mais la ligne de fond, enfin la gamme habituelle de ses vernis, a été complètement reformulée. D'ailleurs, si vous avez... je vais souffler, c'est l'excitation. Si vous avez jeté un œil sur le site de Sephora, genre la semaine dernière, puisqu'ils sont sortis le 1er avril, les nouveaux, vous aurez remarqué qu'il y avait genre, il restait genre 3 vernis, quoi. C'était hyper bizarre, parce qu'ils étaient en train de mettre les nouveaux. Et alors, donc, les nouveaux vernis sont, c'est des vernis, vous savez, cette technologie de vernis gel, c'est-à-dire qui donne un effet beaucoup plus brillant, beaucoup plus lisse que les vernis traditionnels, avec un top coat qui va avec pour renforcer le truc. Et donc, alors, j'ai beaucoup hésité à vous montrer ça, parce que ça fait vraiment, genre, je me la raconte avec mes envois presse, enfin, machin, je sais pas quoi. Et en même temps, l'objet est tellement joli que j'avais trop envie de vous le montrer. Donc, disclaimer, c'est vraiment pas pour me la raconter, je fais jamais ce genre de truc d'habitude. Vous savez que, vu que c'est mon métier, je reçois beaucoup de choses. Je suis pas du genre à foutre une photo sur Instagram de ce que je reçois, etc. Parce que... Là, ça fait partie du boulot, c'est, puis voilà, puis enfin, frimer, c'est pas tellement mon truc. Mais là, j'étais tellement... Quand j'ai ouvert le truc, vraiment, j'ai fait... Oh, tellement j'étais sciée, quoi. Et Dieu sait que ça... Enfin, ça m'arrive pas souvent, quand même. Donc, avant de vous parler un peu plus des vernis eux-mêmes... Voilà. C'est-à-dire que je ne toucherai jamais à rien, là-dedans. Enfin, c'est-à-dire, je ne toucherai jamais à rien. Je m'en sers, hein. Mais même ceux qui ne m'iront jamais, c'est-à-dire les roses, je les enlèverai jamais pour les donner à quelqu'un. Là, cette fois-ci, je garde tout pour moi et je garde tel quel, quoi. Donc voilà, c'est un coffret avec tous les nouveaux vernis. Alors, ils y sont pas tous, en réalité, parce qu'en réalité, sur le site de Dior, il y a 25 teintes. Sur le site de Sephora, il y en a 17. Et ici, moi, j'ai... Ils sont où ? Les trois ici, les trois derniers, là, c'est des top coats et des base coats. Donc là, il y en a 24 dans le coffret. Mais en réalité, j'ai 21 teintes. Voilà, je vais reposer parce que c'est très lourd. Le vernis à ongles, c'est ce qui pèse le plus lourd, vu les flacons. Donc vraiment, mais je vous jure, j'ai ouvert le couvercle et j'étais complètement sciée, quoi. C'est vraiment, mais c'est magnifique, quoi. C'est vraiment magnifique. Et alors, j'en ai déjà essayé deux. Je le pose à côté de moi sur le canapé. J'en ai déjà essayé deux dans la vidéo. Recourbe-cils et mascara, j'avais le grège qui est juste, mais focus please, ça veut pas, hein. Ah, ça veut pas, allez s'il te plaît, pourquoi ça veut pas, qu'est-ce qui ne va pas encore, petite caméra, pourquoi ne veux-tu pas focuser, voilà, le grège qui je crains un petit peu qu'il risque de remplacer le pajama party dans mon cœur. C'est un beige, mais... Alors sur moi en plus, hein, c'est comme toujours les nudes, vous savez ce que c'est toujours une question de personne. Mais sur moi, mais il est... J'ai dû le garder 5 jours, je pense. Je voulais pas l'enlever tellement il était beau. Et au bout de 5 jours, il était toujours, toujours bien, pas abîmé. Donc ça tient bien. Je trouve que ça tient plutôt mieux que les autres. Alors après, moi pour la tenue des vernis, je suis pas une bonne expérimentatrice parce que en général au bout de 3 jours j'en ai marre et je change. Donc comme c'est souvent la tenue maximum, enfin plus ou moins, j'ai du mal à. Ouh, Dieu quelle excitation. J'ai du mal à pouvoir dire si ça tient plus ou pas. Mais celui-là, je l'ai gardé 5 jours et il était nickel, toujours au bout de 5 jours. Et pourtant j'avais les ongles vachement longs. Je sais pas si vous avez vu dans cette vidéo, j'ai vraiment les ongles, mais presque trop longs, quoi. Et donc plus ils sont longs, plus évidemment ça accroche, ça s'abîme dans le clavier, etc. Donc ce truc, mais merveille absolue. Et celui que je porte aujourd'hui, c'est lequel? C'est le... Je pense que c'est le Palais Royal. C'est marrant, j'arrive plus à retrouver. Si, c'est ça, c'est Palais Royal. J'espère que ça va focuser, ce serait sympa. S'il vous plaît. Un petit coup de main par là. Alors voilà, donc tenez, on va en profiter pour le mettre à côté, vu que ça veut bien. Vous voyez, donc c'est un gris, mais un gris pas froid, un gris légèrement taupé, vous voyez. Et alors, en dehors du fait qu'ils sont très brillants, moi j'adore les vernis très brillants, je veux dire, les top coat mat, ça a jamais pris sur moi. J'ai la goutonnée, c'est normal, tout est normal, là, j'avais prévu le coup cette fois-ci.
J'avais pris un mouchoir avec moi. En dehors du fait qu'ils sont très brillants, ce que j'adore, ils ont donc reformulé le produit. Ils ont refait le pinceau. Vous le savez, moi, les pinceaux des Vernis Dior, c'était mes préférés au monde. Et bien, le nouveau est mieux. Le nouveau est mieux. Je ne pensais pas que c'était possible. Combien il reste de batterie? 24 minutes, ça va. Je ne pensais pas que c'était possible. Et bien, le nouveau est mieux. Il est un peu plus long, plus plat, plus arrondi. Je vais vous montrer. Ça, c'est l'ancien Nuit 1947. J'ai ici le nouveau Nuit 1947. Je vais vous montrer la différence de pinceau. Excusez-moi, j'arrive, j'essuie mes trucs, j'essaye de ne pas en foutre partout. Hop, j'essaye de ne pas confondre et de ne pas remettre le pinceau du nouveau dans le machin de l'ancien ou je sais pas quoi. Bien essuyé. Ah non mais vraiment, mais j'étais tellement excitée quoi. C'est mes vernis préférés au monde, donc forcément le fait qu'ils reformulent tout comme ça, pour moi c'est un peu comme si on avait marché sur la lune quoi. Hein ? Excusez-moi, je fais mes petits... j'essuie tout ça. Je vais vous montrer ça. L'ancien avait un petit côté légèrement pointu, qui ne le rendait pas toujours complètement pratique. Alors, on va les mettre côte à côte, comme ça. Essayez de focusser. Voilà, donc. Allez, focus, voilà. Donc, du côté de ma bague, le plus proche de ma bague, c'est l'ancien. Et le plus loin de ma bague, c'est le nouveau. Je vais essayer de vous les faire bouger. Tout, ça c'est le nouveau. Tout, ça c'est l'ancien. Vous voyez la différence de forme? Bon, je les remets dans leur truc parce que sinon je vais faire des bêtises. Je me connais, je suis du genre à me les lâcher sur les genoux et tout. Enfin, l'horreur. Et alors déjà, l'ancien était assez génial. C'est esthétique cette vidéo où on voit que la moitié de ma tête, la moitié du temps. N'importe quoi. L'ancien était déjà assez génial. Mais alors le nouveau? Mais alors c'est juste, je pense qu'ils ont pris en secret un moule de la forme de mes cuticules. Et ils en ont fait un pinceau, parce que là, il y a à peu près un coup de pinceau par ongle, aucune retouche au dissolvant, rien du tout, rien qui dépasse, même pas sur l'auriculaire. Alors mes bases de pouces, elles, sont carrées, mais enfin c'est pas un problème, hein, il suffit de passer plusieurs coups et donc ça marche. Mais alors quand on a une base d'ongle arrondie comme moi, c'est complètement... vous posez le pinceau, il fait exactement la même forme et... Je n'ai plus de mots tellement je suis my precious. Ah non, c'est vraiment my precious quoi. Je pense que ah non, je le donnerai jamais à personne. Mais peut-être même on m'enterrera avec quoi. Complètement folle. Ça y est, c'est parti. Si les gens de Dior voient cette vidéo, ils vont se dire putain, on ne voit plus jamais rien. Elle est complètement cinglée. Voilà. Donc great news quoi. Et alors les couleurs, je pense que ce sont dans la mesure où il n'y a plus les couleurs d'avant sur le... Je suis orange, non ? Non, pardon. Il n'y a plus les couleurs d'avant, mais je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas les couleurs... Enfin, c'est juste une reformulation de la formule. Ils n'ont pas changé les couleurs. Je veux dire, là-dedans, il y a Riviera, il y a Lucky, il y a voilà, Nuit 1947. Enfin, voilà, des couleurs qui existaient déjà. Donc, je ne pense pas. Il y a Muguet, qu'est-ce que tu... Un nude parfait. Donc je pense pas que les couleurs aient changé. Ça c'est pareil, si vous voulez je me renseignerai, mais a priori c'est juste la formule et le pinceau donc, qui ont été refaits. Donc voilà, c'était ma surexcitation de la semaine. Je vais tous les essayer les uns après les autres. Et même les roses qui devraient pas m'aller, genre ça, genre bonheur. Alors ça c'est typiquement le genre de couleur, mais... C'est-à-dire que ça... Comme j'ai du rouge dans les mains, ça fait ressortir le rouge qu'il y a dans mes mains. Alors que Riviera, oh, un de mes corails préférés au monde, sublime. Alors en texture gel, il va être, mais oh, à mourir quoi. Je vous dis pour l'instant, j'ai pu en essayer que deux, puisque le premier, je l'ai gardé 5 jours, donc forcément. Voilà, donc je voulais vous informer de ça, et je le redis, vraiment, c'est pas pour frimer. C'est parce que c'est plutôt un côté... une joie trop forte de petit enfant qui a besoin d'être partagée et de s'exprimer, quoi. C'est vraiment ça. C'est vraiment... je suis comme une gamine de 6 ans devant une montagne de jouets sublimes, quoi. Donc, voilà. J'avais trop envie de vous montrer. Et puis, voilà, de vous informer sur les... est-ce que je vous ai dit...
me souviens plus, dans toute cette excitation. Oui, dans la reformulation, ils ont enlevé les saloperies aussi. Donc c'est sans toluène, sans formaldéhyde, sans phtalate et sans camphre. Alors je ne savais pas qu'il y avait du camphre dans le vernis à rouler, que c'était mauvais, mais en tout cas, là, il n'y en a pas. Donc la formule est plus clean que celle d'avant en plus. Bref, c'est tout bénef. Mais alors le pinceau, quoi, je vous jure, essayez le pinceau. Si vous avez, sauf si vous avez une base d'ongle carrée, vous allez vous en foutre. Si vous avez une base d'ongle arrondie, mais essayez ce pinceau, quoi. Voilà, les filles et les garçons. À bientôt.